aurez les couvertures de Flash 750, les 10 couvertures variantes consacrées à l'événement Flash 750, qui sur le même modèle que Wonder Woman 750 le mois dernier. D'ailleurs, il reste quelques couvertures de Wonder Woman 750, il faudra aller faire un tour dans la catégorie, je vous invite à le faire. Sachez-le, nous avons droit à un numéro spécial anniversaire collector. Sachez qu'il y aura la même chose sur Catwoman et le Joker, ça arrive, les couvertures de Catwoman sont délicieuses. J'ai même vu hier la couverture de Jim Lee sur Catwoman 80 ans, magnifique. Alors, à part de Jim Lee, voici sa couverture, bien entendu, pour Flash 750. Il n'y a que des grands noms qui ont fait les couvertures, comme Francis Manapul, qui fait des pages intérieures également. L'incroyable Francesco Mattina, il est incroyable, il est fou. Sachez qu'il y a un poster book qui arrive de Francesco Mattina, il va être magnifique. Le merveilleux Gabriele Dell'Otto, il ne reste plus beaucoup, hein. On est sur les trois dernières, je crois. On en avait pris beaucoup, elle a très très bien marché. José Luis Garcia Lopez a fait sa couverture. Le dessinateur Nick Derrington également, j'aime beaucoup. Gary Frank, le génie Gary Frank, l'incroyable Gary Frank a fait une couverture. Nicolas Scott, bien entendu, dans un style très classique. Et Howard Porter, dessinateur, bien entendu, de longue date de Flash, a fait la couverture régulière. Toutes ces couvertures sont disponibles sur originalcomics.fr. Prenez-en tant qu'il en reste, on vous met le lien dans le descriptif de la vidéo. Salut !